À Noël, point de vue tout à l'heure. Moi, je vous rejoins quand il y a des visages que j'ai entendus. Oh, Marcel Amand. C'est pas vrai. Après, moi, il fait exprès. Il me donne des trucs sans... quand j'ai pas mes lunettes. Puisqu'à force d'entendre, je sais.
savait le parler. Il me répondait toujours en français. Et je me demandais pourquoi. Et un jour, j'ai compris, il y en a qui me l'a dit en patron, mais écrivez des styles que nous savons pas se parler français. Est-ce que tu te figures qu'on sait pas parler français? J'ai dit, mais c'est pas ça la question. Et c'est que moi, ça me fait plaisir de parler pas toi. Bon, alors quand je parle cette langue, et puisque c'en est une, et je sais pas, dans cette partie-ci de ce qu'on appelle l'Occitanie, c'est un mot un petit peu trop vaste peut-être, mais enfin, toutes ces langues, en tout cas en Béarnais, je sais pas, oui, il y a eu une langue occitane si on rentrait longtemps, mais en Béarnais, il y a une vraie littérature, il y a une vraie poésie, il y a des tas de gens qui ont, et pas des moindres, qui ont écrit des choses très importantes. J'ai écrit, j'ai fait quatre disques, j'ai écrit des poèmes en Béarnais, mais bon, c'est toujours, le terrain est miné dès qu'on parle de ça. Parce qu'il y en a qui en parlent trop d'une façon, vous savez, un petit peu comme des Arabes qui partiraient, enfin, qui sont comme ça, qui partiraient en guerre sainte. Moi, je ne demande pas qu'on révère l'Occitan ni le patois et qu'on le salue comme le Saint-Sacrement. Pas du tout. Il faut remettre chaque chose à sa place. Mais enfin, des gens qui possèdent une langue et qui décrivent une vraie langue, avec une poésie, avec une tradition, avec un folklore, avec tout un tas de choses, quel dommage que ça se perde. Quel dommage que ça se perde. Ici, il y a un travail de Breton. Oui. Mes grands-parents étaient des amis de la Bretagne. Et oui. Je me rappelle que dans la Yamakale, chez mes grands-parents, ils parlaient breton. Oui. Et c'était vraiment fou. Oui, mais on se disputait le breton. Mais pendant des années, on s'est payé leur gueule. On devait être des paysans. Les patois sont des langages de paysans. Et pas juste d'abord, qu'est-ce qu'on a contre les paysans? Alors, si je ne veux pas perdre la démagogie, moi je suis assez content de mes parents qui n'étaient pas du tout idiots, ils n'avaient certificat d'études ni l'un ni l'autre. Tout le monde descend à une origine paysanne. Oui, mais tout ça, c'est devenu commun, finalement, c'est moins commun de dire ça, ça finit par passer inaperçu. Je répète que mon père et ma mère, qui n'avaient des certificats d'études ni l'un ni l'autre, mais ils savaient lire, ils savaient écrire. Ma mère, par exemple, avait un jugement qui était très sympa, j'avais beaucoup d'admiration pour mes parents. Et ils ont juste adapté à la ville, ils étaient très courageux, ils trouvaient que c'était bien plus facile de travailler à la ville que de travailler la terre dans la montagne. Et bon, ils m'ont enseigné un tas de choses utiles. Et en particulier, moi j'ai très jeune, alors que ce n'était pas à la mode, j'ai fait un premier disque en Béarnais en 1962. Alors il y a des choses que je déplore. Mais ce n'était pas la mode. Oui, mais en fait, ce n'est pas incompatible. Alors, d'une part, vous voyez, je réponds à un sujet qui me tient à cœur, parce que je fais des émissions là-dessus, tout ça. Je crois que c'est foutu, parce que, ou bien alors, ça, quand j'ai parlé avec des gens que j'aime bien, comme Tavana, vous savez, tu m'emmerdes avec tes patois, avec tous ces trucs-là, bon, il y a ça. D'autre part, c'est vrai que beaucoup de gens qui en parlent publiquement en parlent mal, parce qu'ils en parlent d'une façon reprochée, d'habiter Paris et de ne pas défendre la culture occitane et tout ça, mais je suis chanteur francophone. Moi, je me sens un petit peu comme un Irlandais des États-Unis qui s'intéresserait à ce qui se passe à Belfast, ou comme un Juif de New York qui s'intéresserait à ce qui se passe en Israël. J'y suis pas né, je répète, je n'y ai pas vécu, j'ai aucune raison, et j'ai aucune envie, moi, de venir dans ce pays. Puisque c'est pas là, mes attaches sont pas là, ma famille est à Paris, mon père et ma mère sont morts, j'ai de la famille, pour te dire. Mais qu'est-ce que. Moi, je trouve tout à fait dommage, encore une fois, que ces langues, car ce sont des langues, se perdent, et d'autre part aussi que beaucoup de gens qui sont qui s'en occupent et qui je remets pas du tout en cause leur honnêteté ni leur générosité, mais assez souvent ils braquent les gens contre eux parce qu'ils n'en parlent pas d'une façon ouverte, ils en parlent comme des sectaires, et ça c'est très embêtant. Par exemple, chez moi, je vous cite un exemple, je ne sais pas ici. Bon, les occitanistes, vous savez qu'il y a, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a quatre grands courants, paraît-il, dans le monde occitan. Il y a le provençal, il y a le languedocien, il y a le limousin et il y a le gascon. Et avec toutes les subdivisions, hein, parce qu'alors après, et on nous reproche aussi souvent que d'un village à l'autre, on ne se comprend pas. C'est pas vrai. On se comprend, mais il y a des mots qui changent. Exactement comme en français. Il y a des mots, bien sûr que ma pauvre grand-mère, si elle vivait, si elle n'avait pas de connu, je parlais à la télévision, elle n'aurait rien compris. Elle n'aurait rien compris. Alors le mec, il arrive. Elle n'aurait rien pigé pendant qu'il parlait français. Alors on oublie ça aussi. Mais depuis des années, sinon depuis des siècles et des siècles, il n'y a pas de vrais journaux pour l'intercommunication, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, parce que ce qui existe, autant dire que c'est nul. Donc c'est normal que chacun dans son coin s'est mis à parler la langue de ses parents, de son père, mère et de sa famille, et dès qu'il entend des mots qui diffèrent, tout ça,
comme il n'a pas l'habitude de les entendre à la télévision, à la radio, il y a un petit peu plus loin, à 45 km, c'est plus chez nous, alors ça ne nous intéresse pas. Pareil pour les Bretons, et un pareil pour les Basques aussi, parce que les Basques, c'est pas loin de chez moi, les Pays Basques, il y a 10 km de chez moi. Alors finalement, on s'est un petit peu étouffé, tout ça, après on ne sait pas quoi. Moi, je crois que malheureusement, je crois pas que ça durera plus d'une ou deux générations au maximum. C'est très triste parce que ce sont des pans de culture entière qui disparaissent. Vraiment, vraiment. Et il y a eu un grand mouvement occidental qui aurait pu marcher si les types avaient été plus ouverts, s'ils étaient arrivés devant de tout le monde. Moi, j'ai eu des histoires en Anvers. Moi, je me suis fait siffler par des gens qui disaient « Qu'est-ce que c'est que ce type du show business qui vient ici pour profaner le temple ?» Attention, à ce point-là, hein. Alors j'aime autant vous dire que j'ai suffisamment de chance, je ne me suis pas laissé faire. Je leur dis, vous faites un mal terrible à la cause que vous prétendez défendre. Ils s'en prenaient aussi aux vieux. Eh oui, parce que, bon, tous ces Occidents ont mis au point une graphie, une façon d'écrire, très intelligente, qui fait que un Provençal qui écrit dans il peut être compris d'un Béarnais, d'un Auvergnat, etc. Ouais. Et cette écriture est nouvelle, les vieux qui continuent à parler de langue d'ailleurs, les personnes âgées, les gens de ma génération, et au-dessus. Ouais. Ils sont allés à l'école française, ils ont appris à écrire le patois. Il y a des publications, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Mais c'est écrit comme on a écrit. Comme on écrit à l'école, et dont l'écriture diffère. Et les autres, les jeunes qui ont allé comme moi-même d'ailleurs, à cette nouvelle écriture, ils se paient la gueule des vieux. Vous savez comment ils appellent ça, l'écriture? Ils appellent ça le vergognos, c'est-à-dire le honteux. C'est vous dire, alors les vieux disent, bah, puisqu'on est honteux, puisqu'on est des cons, alors. Et voilà, et ce sont des séparations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce sont des sectaires qui foutent tout par terre. Ça n'est que mon opinion, mais j'ai dit que je serais sincère. Vous m'avez parlé de ça, j'allais parler. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Et bien, dis donc, c'est même plus de réponse à une question, c'est un véritable débat. Ah, oui, alors là, vous voyez, je rentre, vous comprenez. Parce que je passe tout le temps, effectivement, comme je viens de vous le dire, à m'engueuler avec des copains. J'ai dit aussi, tu nous emmerdes avec des gens qui vous disent, ouais, mais nous, on est les meilleurs, et Paris, bah, je me dis, bah, faut pas rigoler, moi, Paris, bah, s'y va traiter, finalement, on va jouer. Comment? Je parle de la langue, c'est que ça s'appelle le patois. Non, mais si on a mis lequel,
est-ce que vous parlez comme à Toulouse, est-ce que vous parlez comme à Chine? Oui, mais il y a une petite différence, mais enfin, ça ressemble davantage à ce qu'on parle à toi, ce qu'on parle à bien en flanc. Oui, ça fait lui. Le département de l'Ouest, c'est lui un peu, oui. Tout ça, c'est encore aussi, c'est une question que je pose de la pensée. C'est pas tout à fait juste, enfin, il y a du vrai, mais c'est pas tout à fait juste ce qu'il y a là. Pas tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça qui m'a donné. Ah bah c'est le problème. C'est quoi là? Mais non, c'est pas la panarie. Merci monsieur. Ah là 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 là. C'est pas le décret de panarie. Alors, on pose la question que je n'y aurais pas. Alors, on pose la question, j'ai pas plus de c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est le qui est en l'air. Qu'est-ce qu'il chante lorsqu'il est malade? Qu'est-ce qu'il chante lorsqu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il fait chanter lorsqu'il est douloureux? C'est-à-dire qu'il chante quand il est malade ou quand il est douloureux, il fait chanter. C'est pas le panin. Non, c'est pas le panin. Il y a des fois, qu'est-ce que vous mettez quand vous avez mal au doigt, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est joli. Bah, vous venez de dire quoi, madame? On a mal au doigt. Oui, c'est un pincement. Un pincement qui chante dans sa larme. Un pinceau. Un pinceau. Ça y est, eh bien, c'est. J'ai deux dames pour gagner. Là, déjà le premier, vous allez me joindre, vous en avez un autre là-bas. Attends, j'en ai une vidéo en main. Il faut laisser un sens beaucoup plus érotique que ça. Oui, très bien. Quand même, ça peut être. Et ça peut être agréable. Très bien. On va partir en signature. Voilà. Moi j'en veux un comme ça. Moi j'en veux un comme ça. Ben, je vous donne le mien que j'ai gagné moi. Mais les monopoles, vous avez vu les stocks? Les stocks, forcément, ils se liquent, vous comprenez? C'est la guerre. Je ne sais jamais ce qui va arriver. Je ne sais pas où je vais. J'ai reconnu les cheveux. Alors que toi, la quitté à la Marseille. Non, mais vous avez le sérieux. C'est ce qu'on veut, c'est ça. Comment ça va? Ah oui, vous savez, c'est grand les Pyrénées. On doit venir comme ça. On doit dire les Pyrénées Atlantiques, parce que sinon ils sont. Voilà. Voilà. Très bien. Alors c'est Philippe Prosper, pourquoi? C'est moi, ça, je suis mariée. Et alors, et pourquoi faites-vous? Elle est incroyable, hein? Non, parce que je vous dis Prosper, du plaboum. Et alors, c'est charmant. Prosper, c'est un plaboum. Et alors, c'est comme j'ai un petit copain, mon fils, alors il est parti, maintenant il dit partout qu'il s'appelle Étienne. Parce que les petits copains à l'école, ils disaient Étienne, Étienne, Étienne. Alors il pleurait. Ouais, mais tous les copains, ils se foutent de toi. Mais pourquoi ils se foutent de toi? C'est pas comme ça qu'il faut faire. T'apprends la suite de la chanson et quand on te fait ça, tu continues, ils vont rester bouche bée. Alors maintenant, quand on entend sa voix, puis on n'entendra pas. Comment vous n'entendez pas ma voix? Mais qu'est-ce que je fais là? On est pas équipé pour chanter une chanson. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se raconte là? Où est notre copain? Vous l'avez regardé la photo? Oui, bah, c'est nous deux, quoi. Il y a rien. C'est un disque. À quoi il joue? Qu'est-ce que vous faites? C'était le métier de ma mère. Pendant 40 ans, elle a fait ce métier, l'hôpital Saint-Pamel. Voilà. Alors, comment? Ah, moi, je suis né à Bordeaux, j'y ai vécu 20 ans. Voilà. Alors, j'ai une personne qui m'a dit tout à l'heure une question, et elle voudrait savoir si c'est vrai, il paraît que c'est le chauffeur de car qui lui a dit. Oh là là, mais c'est un chauffeur de car. Il paraît que. Alors, un de tes premiers métiers serait instituteur, est-ce vrai? Non. Alors, je m'en souviens déjà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai écrit tout à l'heure. Arrivé. Ouais. Bon. Alors, bon.
Et donc, mes parents, je réponds à la question. Mes parents, donc, ne voulaient pas que leur fils, enfin, ils ont voulu donner un peu d'instruction à leur enfant, puisqu'ils avaient un fils. Donc, ils avaient décidé qu'il serait unique. Et j'ai fait mes études secondaires. Et lorsqu'il s'est agi de savoir ce que j'allais faire dans la vie, comme je n'osais pas avouer, j'avais ma petite idée, je n'osais pas avouer que moi je voulais faire le zigoto sur les planches, j'ai préparé un professorat d'éducation physique. J'ai été pendant 2 ans dans ce que font beaucoup de jeunes étudiants, j'étais moniteur de gym dans les colonies vacances. D'abord. Mais là se sont arrêtées mes velléités pédagogiques et l'instruction nationale n'a eu affaire à moi que dans ce cas-là. Non, j'ai très vite obliqué vers la carrière des planches. Voilà. Mais voyez, et le seul métier que j'ai fait, en dehors de la scène, parce que j'avais quand même fait un autre, j'étais pas un élève très sage, ni quoi. Enfin, que mes parents ont mérité que je sois. Pour le premier bac, c'était très dur. Hein. Je vois un peu les études de mes enfants. Je crois que c'est moins dur qu'autrefois. Il faut pas raboter, c'est déjà moins dur. Je crois que c'est moins dur qu'autrefois. Ma mère, à l'époque, comme j'avais beaucoup pu travailler, n'est-ce pas, au jardin public de Bordeaux, où on donnait de nombreux rendez-vous aux jeunes filles, quoi, j'avais beaucoup pu travailler à autre chose qu'à mon baccalauréat, j'avais échoué. Et mon père était très malheureux. Comment, toi, fils d'ouvrier, tu travailles même pas alors que tu es le seul du quartier, alors que tes petits copains sont en apprentissage et gagnent leur compte. J'avais eu très honte, c'est-à-dire qu'il y avait quoi. Et j'étais allé de ce pas m'inscrire à la gare et j'ai mis cheminot pendant un an. J'étais à la gare Saint-Jean à Bordeaux, oui, et j'ai préparé mon bac tout en travaillant. Et là, je l'ai eu et j'ai passé et je suis revenu en école pour la deuxième partie. Mais j'étais assez fier, mais c'était la moindre des choses. Parce que c'était. Bon, les jeunes sont vraiment incroyables. Hein. J'aurais mérité quelques coups de pied. Enfin, si j'avais reçu quelques coups de pied aux fesses, je ne les aurais pas volés. Hein. Vous ne croyez rien à voter, puisque depuis ce temps-là, non, tu as trouvé ta voix. Non, mais bien sûr qu'il ne m'en avait pas voulu, mon père. Non, mais j'étais pas très reconnaissant parce que mes parents, hein, ils avaient été chouettes avec moi, ils m'envoyaient à l'école et puis moi, je suis allé faire un. Bon, enfin, ouais, tout ça, c'est bien terminé. C'est ça. Bien sûr.